Juan Arbeláez a quitté la grisaille parisienne et ses restaurants durant quelques jours afin de s'envoler pour Fuerteventura, aux Canaries. L'ancien candidat de Top Chef, saison 3, en 2012, n'y va pas pour les vacances mais pour vivre une expérience exceptionnelle. Une aventure à laquelle participe également une ancienne Miss France. Si est-il une semaine hors du temps que s'apprête à vivre l'ancien époux de Laurie Tillman. Il s'est inscrit au HMDS, Half Marathon des Sables, qui se déroule à Fuerteventura. Il s'agit d'un trail de 4 jours sur un parcours divisé en 3 étapes de 100 ou 120 km à réaliser en marchant ou en courant. À l'origine, le coup d'envoi devait être donné le 24 septembre 2022. Mais les conditions climatiques n'étant pas réunies, les organisateurs ont préféré reporter la course. Voilà mes états d'âme quand on m'annonce qu'à cause du cyclone, la course s'est décalée d'un jour. La bonne nouvelle c'est que ça va me permettre de commencer ma préparation. À demain du coup, a écrit Juan Arbeláez sur Instagram, le 26 septembre. Afin d'illustrer sa déclaration, il a tout d'abord posté une photo sur laquelle il apparaît avec une mine déconfite, avec son dossard dans les mains. Siesti ensuite le charmant brin équipé de son sac à dos et de ses gourdes que les internautes ont pu découvrir, puis un cliché sur lequel il affiche un grand sourire.